Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais jouer avec les settings de clics à la manette. Donc vous allez voir, ils se rapprochent énormément de ces settings clavier souris, ils sont énormément puissants. Vous allez voir, j'ai une aim du futur. Donc vraiment n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien voir ce qu'on peut faire avec ces settings. Je tiens à remercier les 10 derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer à l'écran dans une prochaine vidéo, mon frérot, t'as juste à t'abonner. Et on n'oublie pas de mettre mon code créateur, boutique d'objets, soutenir un créateur, ITXO, ITIXXO. N'hésitez pas à m'envoyer des petites preuves sur les réseaux comme sur mon Instagram. Et let's go, on est tout de suite parti. Donc on se retrouve dans une map où je vais pouvoir les tester, mais juste avant, je tiens à vous les montrer. Donc dites-vous que quand même ces settings, il les a montrés en live il y a je crois un an ou deux. Du coup bah normalement ça ressemble énormément à ces settings clavier souris. Donc là on est à 1,8 en sensibilité de modification et de construction. Ok d'accord. Ensuite vitesse de caméra horizontale et verticale, on est à 52% les deux. Ok c'est cool. Là on est à 0%, 0% et 0,0 secondes en durée de vitesse max. Vitesse de la caméra horizontale et verticale visée, on est à 11. Et il joue en linéaire. Après pour la zone morte vous mettez celle que vous voulez. Personnellement la mienne je la mets très haute parce que mes joysticks ont de gros problèmes. Donc voilà. On va voir ce que ça donne du coup. On va essayer un peu de build. Ok c'est plutôt rapide. Ok ça a l'air quand même rapide hein. Ça c'est cool pour pouvoir build correctement, pouvoir bien puisse contrôler les mecs. On pourra beaucoup plus vite box les gens ou faire des retakes, des choses dans le genre. Enfin voilà. Ensuite quand on vise, voilà c'est plutôt lent. Donc en vrai c'est toujours ça qui est bien. Et je pense qu'on va aller tester ça en réalistique. Let's go. Ok c'est bon les gars, on est en réalistique. Pourquoi à chaque fois je me retrouve avec ce vieux pompe de guerre? Et le mec en face il a un meilleur pompe que moi à chaque fois. Oula. Allez hop, et 2-1. J'ai pas loupé une balle de pompe, hein. Faut le dire ça. Ok, premièrement, je pense qu'on va en faire encore deux. Vraiment, j'adore le fait d'avoir des sens si hautes quand on build. Ah ouais, il est un peu fatigué le poteau là. Ok, crack. Hop, on le fait tomber et il meurt. Ok, qu'une manche. Non, vraiment, l'aim, elle est incroyable. Clairement. Je vais finir par devenir vraiment le clics manette en fait. Allez, dernière manche. Celle-là, on essaye de lui rouler dessus. Si, oh, hop. Hop. Ouais, mais si j'avais un meilleur pompe, ça serait mieux en vrai. Parce qu'il a enlevé des vieux dégâts à chaque fois, c'est un peu chiant. Oh, il m'attend en plus. Oh là là, comment il joue. Moins 29. Let's go. Moins 40. Moins 20. S'il me one-shot, je pète un câble. Allez hop au lobby. Allez on va en game. Ok c'est bon on est en game. On va spawner juste en bas Anvil Square. Bon normalement il y aura un peu de monde, ça va être cool pour pouvoir tester les settings. Les gars si vous voulez d'autres épisodes où je joue avec d'autres settings bah, de joueurs pro clavier souris qui ont des settings manettes, bah je peux le faire. Il y a vraiment pas de soucis, il y a vraiment plein de joueurs. Il y a Mongraal, Tyson, des choses dans le genre. Même Martos dites-vous. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon je pense qu'on va spawn clairement sur le château. S'il n'y a pas un mec qui me 50-50, si. Et en plus j'étais trop haut, donc on va aller juste ici. J'ai moins risque de me faire jouer là. Oh let's go, le pompe qui régale. En plus je trouve une grosse popo dans la boîte de munitions, que demander de plus. Allez on va commencer à push, même si j'ai pas le meilleur des stuff. J'aimerais bien avoir une arme pour spam, parce que là c'est pas ouf. Oh il y a un mec juste à côté. C'est quoi le truc mythique là? Et c'est le truc aux roquettes. Oh, c'est en train de se fight vénère là. On l'a vu. Ah, il y a un mec qui m'a vu aussi au-dessus. Crac. Mort. C'est vraiment la galère quand t'as rien pour spam. C'est dangereux. Et même les gars, sans ça, j'arrive à avoir quelqu'un. Donc, même quand vous êtes dans les pires situations, les gars, vous pouvez quand même tuer des gens avec ces settings. Ah, c'est grâce à Clix tout ça. Hein. Ok, ça se fight juste ici. Ah, on l'a vu. Lui aussi m'a vu, je crois. Crac. Non. Je me suis fait KS, frère. Voilà, j'ai peut-être un peu joué avec le feu, mais il a quand même pris la roquette. J'ai jamais de maths, hein. C'est incroyable ça aussi. Hop, on rentre dans la box et on le laser. Ça, c'est très bon settings aussi pour laser les gens. Ok, on est déjà à 2 kills, top 33. Et je crois que c'est pas fini, j'entends encore des gens dans la ville. Donc, ça, c'est cool. On se met le petit kit et après, on décale. Touché. Oh, lui, il a l'air bon quand même. Crac. Mort. Oh là 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 là, mais non, mais j'ai un aimbot, vraiment. Je ne rigole pas. T'as vu ce qu'il a fait, mon wizard? C'est abusé. Direct, il a visé sa tête au-dessus. Coucou. Ah, je me disais bien qu'il y avait un mec là. J'ai cru que c'était pas un joueur, mais si. Crac. Un HP, hop, mort. Ouah, j'ai cru que j'allais mourir sur lui. Sans build, sans rien, les gars, on arrive à faire des kills. Je suis prêt à dire que j'ai trouvé vraiment les meilleurs settings depuis que je joue à Fortnite. Hein. Avec tous les settings que j'ai testés, il n'y en a jamais autant qui m'ont servi pour me sortir d'aussi mauvaises situations. Tout à l'heure, c'est n'importe quoi, je me fais push alors que j'ai rien. A few minutes later. Je pense que je vais aller récupérer les gens qui sortent de Mega City. Est-ce qu'il y a quelqu'un faire des maths aussi parce qu'on n'est pas très bien. Hein. Ok, je viens de récupérer des clés, je vais aller m'ouvrir un coffre. En plus je suis une cible, ça c'est bien ça. Enfin quelqu'un qui veut me jouer. Allez un pompe s'il vous plaît. Je pense que je vais prendre celui-là en vrai. En épique il peut être pas mal. À tester. Ça se trouve ça va être une belle découverte hein. Oh y'a un mec qui est en train de récupérer le truc là-bas hein. Allez je vais aller le jouer. Ah non en fait y'a personne. D'accord. Mais comment ça se fait y'a personne là? Y'a un mec ici là, y'a des bruits bizarres. Ok je suis en alerte 2. J'allais tuer un poulet pour rien. Non on protège les poulets ici. Ouais juste ici. Malheureusement ça va pas toucher. Moins 15. Il se boxe déjà. Touché encore.
Allez, un coup de sabre encore. Allez hop, moi je t'apprends un peu comment on joue, frérot. Par contre, je crois que je vais me faire KS. Ah non, c'est juste un bot. Où il est le mec? Où est donc Ornica? Eh mais je me fais jouer par un bot. L'autre il a disparu. Toujours rien ici. Ah, je vais manger un peu de la zone, mais il me faut vraiment un meilleur truc là. Mais pourquoi il vient me jouer lui? Ah mais c'est le mec de tout à l'heure en plus. Ok, touché. Crac. 20. Mort. Allez, au lobby. Ah, il y a un mec qui vient de s'abonner pendant la vidéo. Bah merci frérot. N'hésitez pas à faire comme lui, si toi aussi tu veux passer dans une vidéo. Bon, 5 kills, top 7. Est-ce qu'on va faire le top 1, les gars? En vrai, ça serait pas mal. Mais je pense que c'est possible parce que, bon, on a un stuff quand même potable. Faut juste que je retrouve du heal blanc. Par contre, j'ai 2 balles dans le barrette. Ça, c'est giga fort, hein, si je veux rentrer dans une box. Allez, on va prendre une voiture. Oh, il y a un mec qui vient de prendre une faille. Est-ce qu'il va aller sur moi? Ça serait cool, en vrai. Ah bah oui, si je veux aller me fight, je vais aller sur l'île. Bah oui. J'ai pas réfléchi, là, pour ce coup-là. Ah bah oui, viens, tiens. Il spawn juste au-dessus. Il est où? J'ai entendu son planeur. Ah, il est là. Allez, moi je vais aller le chercher au corps à corps. Moi je vous le dis. Non, non, non. Oh, en plus il est mauvais, ça se voit. Il arrive pas à build. On s'est cross kill. On s'est cross kill. Comment ça peut arriver? Ça tu vois c'est des problèmes de serveur. Parce que j'ai tiré avant lui et au final il arrive à me tuer alors qu'il est censé être mort. Bon top 5, on meurt à cause d'un bug Fortnite les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon en vrai les settings je valide fort. J'ai loupé très peu de balles hein, en soi. On build bien avec, vraiment rien à dire. Moi je vous laisse tester de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah vous, ce que vous en pensez des settings. Si vous voulez d'autres épisodes, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous me dites tout ça en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil, je peux vous répondre. Et puis voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis ciao et bye bye.